Bon, on est reparti. 1 km 3. On va passer comme ça. Oh, tout droit, hein. Peut-être comme ça. Gaffe aux loups et aux... aux panthères, je sais pas quoi là. Aux lynx. Je fauche. Bon allez, en route. Quoi le klaxon? Non. Mais bon, je m'avais où j'allais là moi. Déjà 15 heures. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. 15 heures en vrai, j'ai le temps. Peut-être pas commencer grand. En vrai, j'ai le temps. Salut Yann, ça va? Passe à droite de la montagne. Ouais, ça va nickel.
Merci du follow. Je sais pas pourquoi j'ai peur de pas avoir le temps. Moi j'ai le temps, bah je suis large. Les deux rubans par terre. Pas compris là. Y a personne qui est venu ici. Je sais plus. Et le ruban, pourquoi il était là? J'ai deux rubans et ça dépop seulement maintenant? Comme je suis dans le passage. C'est un fantôme. Allez, viens là, toi. Le truc que je voulais fouiller, je le casse. J'ai joué ma caisse. Comment ça, elle a disparu ta caisse? Tu parles de ça là? Pour ça, j'évite de le mettre dans le POI. Vraiment éviter de le mettre dans le POI. Ça ou tes caisses que tu mets là pour ranger là. Faut vraiment. Moi je me mets carrément sur la route. Le POI commence là normalement. Je me suis fait vite fait avoir hier. Mon vélo il était en dessous d'une bagnole. Et ça va, il a rien eu. Gaffe quand même parce que j'ai la tête dans le cul. Par le lit. Ah.
c'est vrai qu'ils le disent pas spécialement. C'est comme ceux qui construisent dans une maison comme ça, là. Faut vraiment que tu mettes un bloc pour dire que c'est ta maison, que si tu reçois une mission dans la maison même, et que tu la lances, tout revient par défaut. Tu perds tout. Perds tout. Alors, franchement. Quoi le bruit là? Fais super gaffe à ça, parce que... C'est qu'un niveau 3. Voilà, comme ça j'ai tout le temps un truc pour me barrer. Et avant de commencer un POI, essaie de faire le tour vite fait. Tu peux déjà récupérer ça. Comme ça après tu le relances, bah tu le lances et puis tu peux le re-récupérer. Bon, je le fais pas spécialement à tout parce que bon, c'est chiant. Ça peut être pas mal. Mais donc... Faut tous faire à loup. Je sais pas si les perles. Le problème c'est que je fouille pas beaucoup dans les maisons, mais là y a pas grand chose en... Ça fait chier de fouiller quoi. Moi, je vais être blindé pour rien. Voilà! Elle leur dit qu'elle a perdu une dent. Moi, en gros, c'est ma deuxième partie, quoi. Bon, j'ai joué, mais je fais encore pas mal d'erreurs, hein, c'est normal. Hein, comme. Là, il y a un feral. Ah.
Il branle. Il avait peur, le fou. Oh, c'est les pires. Pas les ferales, quoi. Pas spécialement le type de zombie là. Ça, c'est le problème. Souvent, quand t'as un nid, c'est qu'il y a un oiseau. Les oiseaux, c'est l'horreur aussi. Hein. Surtout si tu la rates. Je peux jeter, qu'est-ce que je peux jeter? Y'a qu'un passage. Je préfère passer par là. S'il y a embrouille, je peux me sauver par là. Je suis en surpoids. Du coup, je peux n'accourir. Ça me fait peur, lui. Gaffe avec eux parce que toi tu viens ici, tu dis bah il n'y a plus de zombies, je vais looter, tu lootes et puis je sais pas, ils ont flanqué des zombies là-bas quoi, style dans le mur là ou dans le plafond des fois. Il manque des caisses, non? Thank you.
Ça, je m'en fous, ça. Les cailloux. T'as combien de jours là? T'as déjà passé la première vague? Bon, du café, de toute façon, du café, j'en prends pas. Ça. C'est vrai, faut que je regarde à mon jardin. Dans la maison, je pense que c'est bon, il reste la cave, le pire endroit au monde. En fait, je vais prendre l'habitude maintenant parce que sinon je vais me faire. Tu mets une caisse ici, puis tu stockes tous les trucs que t'as pas trop besoin. Non, maintenant, maintenant. N'importe, peur de se faire de la place. Voilà. Le mieux, c'est que tu fasses une partie comme tu fais là. Et dès que t'es chaud, moi je serai toi, je recommence. Tu verras, par toi-même. Une fois que t'as compris comment ça marche un petit peu. Fais gaffe parce que ils vont me niquer. Hein. Je peux descendre sans que. Quand tu vas dans un truc, il faut toujours prévoir à te barrer, quoi. J'aime bien ça. Petit petit. Il n'y en a qu'un.
je sens gros qu'ils vont me... Oh! Nous sommes pas dans les caves! Le problème, c'est qu'il en reste. Ah non, c'est bon. Allez voir le marchand. Nickel. Là, on peut fouiller dans tous les coins, dans tous les sens. Charbon. Elle est où la caisse? Il manque carotte. Hein. C'est vide. Je sais pas que la caisse était celle d'en haut. Il n'y avait rien dedans. Et des voleurs. J'ai eu pas mal de balles. Oh bah c'est tout hein. De toute façon, y a rien d'autre. On va se barrer. Moi je pourrais fouiller ça, mais oh, je sais pas si ça vaut le coup. À force de faire, ça peut valoir le coup, mais la flemme. C'est ça quand j'aurai des meilleures machines. Allez, on se barre. Ce qu'il me faudrait, c'est une pelle. Salut Illusion, ça va? Merci pour les bits. Ça va? J'aimerais bien rentrer avant qu'il fasse nuit. On s'en fout, ça tant pis, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Les sous on s'en fout. Bon, les charbons on s'en fout, ça on s'en fout. Pas beaucoup de place hein. Allez, en vrai la viande je m'en fous.
Allez hop, en marchant. Ça va? Là, franchement, vu le trajet et vu qu'est-ce qu'on a récupéré, bah, ça vaut clairement pas le coup. Hein. Mais je fais les missions des marchands, comme ça je serai tranquille. Et après, je pourrai faire les maisons que je veux. Là, on va aller finir la base. Bah, finir. On va continuer la base. J'ai dit que demain je bougeais pas. On va rester dans les environs de la base. On va se préparer pour la horde. Aïe! Surtout Yann, si t'as des questions, n'hésite pas. Du bien de rentrer. Il te faut des grilles. Attends, on va. Je vais te faire montrer. Faut que tu poses un feu, il te faut absolument une casserole, un grill ou un bêcher. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire quoi. Plutôt si tu veux faire de la viande, bah il va te falloir un grill. Si tu veux un ragoût, bah il te faudra une marmite. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Il te faut absolument ces trois trucs là, sans ça tu peux rien cuisiner. Ou pas grand-chose. En gros, c'est ma base anti-horde, celle qui va me servir bah, tous les 7 jours pour pouvoir me défendre. Et là-bas, ça sera ma base.
Non, pas de soucis, surtout n'hésite pas à poser des questions. Quand tu commences, c'est clairement pas évident. Merde, je mets ça là-dedans, moi. Les flèches, en vrai, je peux. Je sais pas si je peux les fondre. Je n'en ai pas besoin, je joue pas à l'arc. Pour l'instant c'est le bordel parce que c'est juste un endroit où je range. C'est pas ma base. Un endroit pour me dépanner. J'espère que t'as pas peur de farmer hein, parce que le jeu là c'est énormément de farm. Et t'es récompensé quoi. Chaque truc que tu lootes, tu vas t'en servir. Hein. Bordel. Bordel encore plus dedans. Ça je garde. Non. Je garde. Et ton carburant, mets-le au compte-gouttes. Hein. Pour éviter de gaspiller, tu verras que au début, c'est ça vaut le coup, quoi. Bon, après, tu t'en fous parce que t'en auras tellement. Mais au début, le marchand. Cette base-là, c'est une base que j'ai testée à la première vague, à la première partie, quoi. Bah, ça se passait bien. Du coup, j'ai refait pareil. Well, now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Comme là, c'est pas ouf, hein. Qu'est-ce qu'il te donne? Hein. 10 de colle, 5 rubans. En vrai, je vais prendre ça au cas où si je suis infecté. Hein. Pour la nuit, je suis clairement pas équipé. 700 mètres. Let's get one thing straight. You're not working with me, you're working for me. On la fera peut-être demain matin tranquille. D'à côté en. Je te conseille aussi, c'est de toujours fermer la porte du marchand. C'est pour éviter d'avoir des zombies. Bon, après, ils peuvent pas tuer le marchand normalement, mais. On ne sait jamais. Il me faut quoi? Merde, il me faut mes cubes. On va les creuser là-bas. Il n'y en a qu'un en plus. Oh, on est bon. Oh, mon gros le gros problème pour moi c'est la bouffe. Hein. Pas beaucoup de bouffe. Hein. J'ai pas le temps de faire de la bouffe. Il ferme déjà, c'est pas 22h. Plus tard, je vais faire un tunnel qui va rejoindre là, à la base.
T'as déjà commencé? Ah bah attends. Bah, j'ai 84 mètres. Parce que je veux pas de faux trous. Je pourrais tricher là, mais j'ai... non. Pour savoir si ça va... On est des professionnels. C'est pas ça à moitié. En vrai, ça doit rien jouer sur la maison, mais c'est juste pour bien dormir. C'est vrai, je devais regarder pour une pelle, une meilleure. Il me faut au moins le niveau 3. Pelle. Ouah. Niveau 6, je peux la faire. J'allais la faire. Professionnel, il s'abaisse et tout. Et là, pourquoi je me suis abaissé? Ah, tu fais plus de dégâts normalement. Quoi d'appôt? Du scotch? J'ai pas assez. Thank you.
passe quoi là? La colle et du tissu. Tissu. La colle. Putain, j'en ai pas beaucoup, hein. Ah, moi j'en avais là. Nickel. Ah, et tu l'as fait où la pelle? Ici. Niveau 6. Ah, c'est un niveau 2. Je pensais que c'était un niveau 6. Ouais, j'allais dire putain, elle vaut rien. Oh, c'est bon ça. Un petit bacon. Bon, on va me sauver la vie. Même pas besoin de faire de pelle en acier. Bon, c'est bon l'appel? Nickel. Oh ouais, en deux coups de pelle. Je vais faire des briques.
Là-dedans. Hop. Le morpho un pylône. Ah putain, je voulais pas mettre celui-là. Tout ça, c'est provisoire. Ça. C'est tant que je creuse. Et après, je vais retirer petit à petit pour voir qu'est-ce qui tient et qu'est-ce qui tient pas. Voilà. On sécurise. Oh, je suis déjà arrivé. C'est bon ça. Bah, demain on ira faire vite fait la mission à 600 mètres. Après je bouge plus. Aïe. Bon ça.
Le mur en briques, c'est la limite. Ça va être grand. Hein. Moi, je sais même pas si je vais faire d'autres pièces. La salle des coffres, je vais la mettre là-bas, dans le fond. La cuisine, c'est en haut. Les ateliers, ça sera tout en bas. On va pouvoir s'installer une fois que tout est creusé. Ça va faire du bien. Le jour tu fais tes missions et la nuit tu t'enterres comme ça, tu essaies de t'occuper quoi. Il y a toujours un truc à faire. L'appel qui carie. Je vérifie toujours, mais j'ai besoin de vérifier. On est bon. Oh non, mais t'inquiète, c'est normal, hein. Surtout, n'hésite pas, quoi. Franchement, si je peux t'aider... Parce que c'est un jeu, faut pas que t'abandonnes, hein.
qui me fait... Ok, tu fous là, Oli? Il est rentré chez moi. Je l'ai même pas entendu. Fais gaffe parce que des fois il y a des hordes. Il est rentré comment? Il a brouillé un truc? Ah, garlé les fumiers. Il en profite. Regarde là, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux construire? Fais un. La possibilité que tu as, c'est affolant. Il y a des croix. Pourquoi ils ont mis des bouts de ferraille pour faire une croix? Imagine. Les bases de psychopathe que tu peux faire. Merde, c'était bon. Ah non, faut pas laisser tomber. Tu vas peut-être galérer, il y aura peut-être des moments, voilà. Mais franchement, c'est l'un des meilleurs jeux de survie, quoi. Et clairement. Là, tu fais ça, tu fais copier, comme ça, ça recopie le cube. Pilote qu'il est rentré là, il me... Chier eux. Les voisins. Pas mort parce que j'ai pas eu l'XP. Mais une horde, c'est quoi ça? Oh mon mur! Ah, fait chier pour sortir de... Les connards. Conseil aussi, c'est toujours avoir des cubes comme ça là. Regarde, quand tu appuies sur F, tu peux les retirer. Ça va t'aider énormément, juste pour faire ça, pour passer certains trucs. Par contre, ça fait chier parce que... Ah, nickel. Ça te permet d'escalader, ça te permet de t'enfuir, ça te permet de... Pas mal de choses, quoi. Mais par contre, que cela, il y a que cela qui s'enlève.
Je sais même pas pourquoi je réfléchis, c'est tout droit. Salut, merci du follow. Ça va? Le pylône tout de suite. En vrai, je suis sûr que je peux creuser jusqu'à là-bas, mais... Une flippette. J'ai l'impression que... Bon, c'est pas grave. Je l'aurai appris. Bon, on l'avait mis. À la fin, tiens, mange. C'est le mur.
Vas-y, on en refait un pylône. Et ça sera bon pour au soir. Un zombie que j'ai entendu. Et là. Calme-toi, petite. Voilà. Ça, c'est le milieu. Voilà. Bonsoir, on est bon. On fait du travail. Plus hâte que le tunnel soit fait que ma maison. C'est ridicule. Histoire de tout ranger, ça fera. Ça va faire du bien. Thank you.
J'ai 40. Attends, je vais aller voir le marchand parce qu'apparemment le marchand il peut vendre la moto. Je l'achète, hein. Je cherche même pas à comprendre. Ça, on stocke. Je garde. Je vais me faire des pics. Il faut que tu finis les quêtes de terre de T1, les premiers tiers. Et quand tu auras fini les quêtes du premier tiers, le vendeur il va te le donner. Tu auras le choix de le choisir dans une récompense. Bien sûr, faudra le prendre. Tu verras que le vélo, il va te sauver la vie. Is there something you need? What's it gonna be, huh? Vélo, là. La moto qu'il me faut. Arc à poulie. Ça donne envie, hein. Ah, ça donne envie, hein. Je vais l'acheter, je crois. 7000, j'ai trop de sous, je m'en sers pas. Non, une glacière, ça je le vais. Ça sera plus tard. Je vais le prendre. Je l'achète à manger parce que j'ai pas le temps de faire à manger. Les œufs, ça vaut le coup ça. Cha-ching! Thanks, bud. Nouveau ça. Vas-y. Je vais regarder pour être sûr, mais normalement non. Dans la moto, ouais. Tu restes longtemps appuyé dessus. Ah si! Ah non, merde, j'ai cru, eh. Eh, je peux mettre une de... Je peux mettre en couleur. Stockage. Ouais, un petit stockage! Je savais même pas. Bien vu. On va stocker. Mes sous... Je peux pas le prendre si, quand c'est stocké. Ok. Bon, je vais pas trop stocker. Hop, je vais là-dessus. Modifier. Mais je savais même pas qu'il y avait un stockage.
stocke, je stocke. Ça, j'en ai plus besoin, je le démonte. Je vais le prendre, ça. Qu'est-ce que je peux prendre pour... Voilà. Peinture, y a pas de peinture. J'ai l'impression d'oublier un truc. On est à côté, hein. On est à côté. J'ai pas besoin. Les œufs, je vais la ranger. Ah, je n'ai plus que 4. Hein. J'ai vraiment pas le temps pour la bouffe. Ouais, ouais, non, franchement, ça m'aurait bien aidé. Je savais pas du tout. Je me rappelais plus, franchement. Ouais. Pourquoi le jour n'est pas en rouge? Normalement, aujourd'hui, c'est la vague. Tout ça. J'avais fait une connerie en plus. L'écart, je le mets là, hop. Il se met ça. Bon, j'ai pas de balle par contre. Silencieux, putain qu'il y a. Oh non. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a sûrement un chien. Ça fait partie de la maison. Il y a rien là-dedans. Un œuf. Descends de là, toi.
Oh, il y a du monde ici. Ramène, ramène ta gueule. Quand je donne un coup, je recule toujours parce que tu verras. Est-ce que oui, il triche ? Clairement. Putain, j'ai cru que c'était le chien, mais non. Les vrais tricheurs. Ils ont mis le chien en haut. Ah mais en fait c'est l'endroit où tu... Enfin, c'est la salle bonus quoi, on va dire. Toi que toutes les maisons, tu dois les prendre comme des mini donjons. Tourelle. Ouais. Ok, on est bon. Il manque plus qu'à tuer les zombies qui doivent rester dans la maison. Bien sûr, tu peux tout récupérer. Hein. Voilà. Moi, je le fais pas parce que bah j'ai pas envie, mais toi, tu peux vraiment tout récupérer. Hein. T'as des pièces mécaniques dedans, des ressorts ou je sais pas. Bah, là, on se barre. Hein. Si c'est bon. Putain, j'avais plus d'endurance. Je récupère 100 de bois sur ça, c'est pas mal. J'attends que mon endurance remonte. J'y vais avec... je suis blindé, quoi.
Je vais éviter d'aller là-bas quand même. Que la mission peut s'annuler. Une fois que t'as lancé la mission, tu peux le poser quoi, ça va plus se barrer. Je stocke. Voilà, il y a 3 têtes de mort du coup, ma CNT 3. Je crois que ça monte jusqu'à 6. Voire plus même. Là, tu peux avoir des coffres forts, bah des passages, des trucs secrets quoi. Dans certains tableaux. J'aime pas quand elle court vite, elle court trop vite. C'est les plus costauds avec les militaires, je pense. Les chaises, hein, tu les prends, tu les recycles. Toi, tu peux tout prendre. Hein. Hier, j'ai pris le livre là que je l'avais déjà lu, c'est pas grave. Merde, ils sont les chaises. Je peux me sauver. Toujours penser à te sauver quoi. Il est énervé, lui. J'ai vu sa bouche ouverte de loin. Regarde. Je ne suis pas mort. Quoi ça? Bonjour. Thank you.
Il reste des zombies. Tout quand tu ouvres un truc comme ça, faut faire gaffe. Ça ouvre toutes les portes. Bah là, ça va, c'est une petite maison. Hein. Personne? Je sais pas si c'est un passage ou... Le... Calme, hein. Ça fait plaisir. Il en reste toujours. C'est normal. Un gros. Quoi, ça veut dire rapace? Rapace de pique.
est bon. Ça. Tiens, t'as faim, mange. C'est quoi ça? Un piège. Un piège chinois. Marchand, on peut aller voir le marchand quoi. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de zombies. Qu'est-ce qu'on va fouiller? Là, c'est bon. Là, c'est bon. On a le temps, hein. C'est la seule mission qu'on fera aujourd'hui. On va se préparer pour la vague. C'est pas net. Non! Pas grave, hop. Vérifier vite fait si on a rien oublié. Des gants. Oh bah allez, on y va. Ça.
un peu de plomb contre un clou. On peut le vendre. Contre des cailloux, c'est rien ça. Et ça, tant pis. Elle met bien. Elle va me servir en plus pour la nuit. Les os, je crois que ça sert à faire la colle. J'en ai pas mal. Ça commence à être le brun. Attends, ça j'en ai plein. Je stocke. On va le vendre. Modifier. Des piques en fer ou en bois. J'ai dit en bois, ça sera la prochaine vague en fer. Hein. Ça, j'ai pas besoin. Ça. Les blocs.
Aïe! Ah ouais, c'est vrai qu'il y a corps dedans. Il pourrait me vendre la moto. Hein. J'aurais dû aller voir. J'aurais dû aller voir Jen. If you want a job from, it's a deal. Disappoint me, and you'll find yourself on the wrong end of the rope. Aïe. C'est bon. J'ai jamais testé si on peut les améliorer en ferraille. Je voulais regarder pour la moto, j'ai même à regarder. On a le temps, hein. Il est 11h. Hein. On va acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter? You're not bringing counterfeit money in here. You break any of my shit, you're paying double. Avec 6 000.
Magnum. Une masse en acier pour 5000. Bah, c'est donné. Couteau de chasse, il m'en faut un de couteau. Un nouveau couteau. Ça, je le remplacerai. En vrai, je n'ai pas besoin. Mais la masse, c'est l'une des meilleures armes, hein, au corps à corps. Hein. Le drone, j'aimerais trop l'avoir. Ça va être trop bien. Vas-y, hop. Faut pas m'embêter. You want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Il me reste encore 25 000. Ah, j'ai ça à vendre en plus. Tiens. Bye or bye. Don't let the door hit you on your way out. Mettre largement des meilleurs trucs, je sais même pas pourquoi je mets ça. Ça, je m'en fous, ça, je le garde. Merde, j'ai fait quoi? Je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis là-dessus. Tâche de genre. Ça doit passer dessus et... peut-être pas ça. Modifier.
tout. Quoi ça? Ah, le collègue! Je suis là! Viens me sauver! Ah, je vais chercher le colis tout de suite. Ah, il les a mis dans la montagne. Putain, le freeze, il m'a... Est-ce que t'as des freeze, toi? Moi, je pense que c'est le PC quand même, je sais pas. Ça paraît pas, ça demande quand même pas mal de ressources. Même si c'est un vieux jeu. Je vais mettre le point parce que... Je sais pas où j'habite. Je vais couper aussi les arbres. Après, ils sont derrière, ils vont pas gêner normalement. Le vélo, je vais déjà l'enfermer à la maison. Pas là-bas. Moi, des moments, j'ai des petits freezes quand les zombies apparaissent, quoi. Sinon, ils tournent nickel. Oh
putain. Y'a pas de frein. J'ai envie de le laisser ouvert parce que j'ai peur qu'il reste coincé dedans. Je sais pas s'ils vont spawn dedans. De toute façon, je peux laisser ouvert. Hein. Y'a rien dedans. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les zombies? Ils vont rien faire. Hein. Tant qu'ils touchent pas mon vélo. En bois parce que ça coûte le moins cher. C'est un crevard. Après je vais utiliser peut-être plus de balles. On sait peut-être pas plus... voilà. On est là pour tirer nous. Bien quand ça pique. Ah ça c'est malheureusement le c'est un peu chiant mais c'est pas grave. De toute façon ils se le prennent. Hein. Ah, ça peut être bien en fait, du coup. Là, c'est la hauteur où ils attaquent. Je vais faire ça. À chaque pilier. Après, je pouvais doubler, mais... Aïe. Ils vont pas être déçus. Où sont la blinde hein. Ils sont clairement la blinde.
On va lui faire des pommes de terre après, il va être content. Des pommes de terre au four. T'as dû sûrement le voir, hein. Toutes les graines là, tu les plantes à côté de chez toi, comme ça bah, t'as plus qu'à récolter. Et franchement, ça te met bien. Bon, sur la première partie, j'allais chercher tous les arbres aux alentours. Là, j'ai posé directement les graines. Que j'en avais. Ça m'a mis super bien. Effort. Il reste 3 quoi. Ah, tu dis fatigué. Là, c'est mis.
S'ils arrêtent pas de tomber. Laisse le prendre dans l'œil. Direct dans l'œil. Comment ça? Oh, tu me diras, je peux améliorer en briques. Je vais le faire même avant parce que je vais me prendre des pics. Ça passe vite l'heure, il est déjà 15h. Et là, je suis bon. Ah si, tu peux le mettre en ferraille. Ah, tu vois, je savais pas ça. Du coup... Alors, toute la ceinture, elle est faite, au moins... Ça pourra en tomber, hein.
Ah si, en fait, c'est bien. À part ceux qui rampent, il ne doit pas beaucoup. Voilà. Qui viennent. Allez, on finit le haut. Mais moi j'ai mis ça, je suis un con moi. Je le mettrai après. Si on avait fini. Ah oui, je crois que je vais avoir 200 zombies quoi. La difficulté elle est mieux parce que la première vague elle était quand même assez grande. Quand on regarde, ils ont niqué tous les pics en fer, tous les pics en bois là, et là aussi. Pour la première vague c'est bien quand même. Après ça monte aussi avec ton niveau hein. C'est où? Avec ça là. Là mon niveau il est au-dessus. Comment dire ça? Le niveau de la session elle est au niveau. Elle est au-dessus de ton niveau à toi. Normalement tu dois être à peu près pareil ou chez nain. Je suis déjà une mission au rang niveau 4, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait que 2 semaines. Hein. La première partie, j'ai mis plus longtemps, je crois. On va la finir comme ça. La base anti-horde sera au minimum en bois. À part l'escalier.
Voilà, tout le plafond il est bon. C'est bizarre que tu peux mettre des barreaux en briques. J'ai jamais compris ça, mais... Le problème, c'est que je vais retirer un truc en... On pourra plus le voir maintenant. Je vais pas faire le milieu. Là, je vais faire un tunnel qui va rejoindre là-bas, là. Je vais repartir de là. Comme je sais pas trop où il est, il doit être là, quoi. Aïe, shot dans les pics. Le lit. Allez, pousse sous les mollets! Oh merde. Non! Le problème, c'est que je peux pas le mettre, sinon il va être là, gars. Ça, c'est un peu... Elle est au bout de sa vie. Ça va aller, t'inquiète. Voilà, on est prêt pour au soir.
putain, j'ai fait quoi? J'ai jeté mon couteau. Ah, reviens là, malheureux. Je vais pas fermer, ça sert à rien. J'ai hâte d'avoir le courant et tout. Oh, j'ai corps au pic en bois. Hein. J'ai après de l'avoir. Après, si ça coûte cher vite fait en essence. Pas que je vais trop vite, quoi. On a le temps. J'ai toujours l'impression que ça va s'éventrer. Ah, parce que ça craint. Tombe, je suis dans toi là-bas. Tout simple. C'est que ça va tomber. Merde, attends, comment je fais? C'est juste pour bien dormir. Il manque quoi? Il manque quoi? Du bois. Ça va. La fin, t'es toujours fatigué. Ça va aller? Putain, là-bas.
Alors ça, je fais ça. Ça évitera que ça s'éventre. Enfin, ça va s'éventrer, mais ça renforce un peu, quoi. Je le laisse ouvert. Hein. C'est chaud parce que tu vois l'intelligent, bon, tu sais n'a où t'es. Bon, le vélo il est là-bas. Bon bah, on va couper du bois. On va rentrer à 21h30, pas avant. On va plutôt regarder pour faire de la bouffe. J'ai pas de bouffe. C'est une bonne chose aussi ça. Bon, je prends ça, ça. On va aller acheter la viande, je l'ai pas pris. Y a rien à bouffer. Du charbon quelque part. Ça, ça me fait chier de le faire. Ça, à la rigueur. Ah ouais, mais... L'eau, ça coûte cher, quoi. Les œufs durs. Vas-y, hein, basta. Je crois que j'ai pas mon jardin de toute façon. Non, par contre. J'ai pas un petit point rouge. Non, j'ai eu le plan, mais j'ai pas eu le l'accessoire. Les plus gros rangements maintenant. Oh. En acier. C'est ceux-là. Bétonnière.
Le problème, c'est que j'attends d'avoir ma base là-bas. C'est chiant. Après, je suis que là... 2 semaines, quoi. J'ai le temps, hein. On a que... Peut-être regarder. Ouais. En fait, c'est quand je vais transporter toutes mes affaires, je vais les mettre là-bas direct en... Bon, des coffres en acier, on peut commencer à en faire. Comme ça, on va commencer à les poser. C'est où? Yes. Voilà, comme ça j'aurai déjà mes caisses. De toute façon, on peut aller voir, hein, j'ai le temps de toute façon. Mais je me crois... Je les ai, il me faudra juste des balles. Ça paraît pas, mais la pyramide là, c'est un peu la galère. C'était un peu la galère. Il faut que je finisse ça, les coffres, je vais les mettre là, de ce côté-là. Il m'en faut combien? Je vais en mettre 8. 8 c'est bien. Après j'en remettrai un coffre sur chaque atelier. Atelier, la bétonnière. Je range tout dedans. Et 8 coffres, je suis bien. Je suis large même. Il me faut le centre. Bah, le centre on l'a là. C'est le centre ça? Bah, voilà. Le centre il est là. Alors je le marque. Comme ça tous les deux je mets des coffres. On peut déjà regarder hein. Ici. Ah je vais les mettre tout le long. Pensez les mettre comme ça. Côte à côte, ça sera mieux quand même. Pas parce que j'ai envie que ça broye aussi. Voilà. 4 là, 4 là-bas. Ah bien, à 3 là-bas quoi. Pas que je vois trop grand, ça va être déjà énorme. Si je les ai, on va les... Non, je reviens plus. On reste là-bas. Je le laisse ouvert. On va pouvoir s'installer. Demain on s'installe. On va pouvoir tout déplacer. Et comme je serai sur place, bah, ça va être mieux. Putain, on va appeler tous les singes. Elle vient si t'allumes... La forge, tout qu'est-ce qui est source de chaleur, le feu.
T'enlèves l'escalier. Hop. Comme ça, le plus simple pour eux, bah c'est là quoi. Même si c'est le plus simple. Hein. Heureusement que les zombies sont un petit peu cons. Hein. Imagine, ils attaqueraient que les piliers. Ah, tu seras obligé de descendre et tout. Ah, tu seras obligé de faire autre chose. Tout comme ça, en transparent, en barreau. Des balles. On va se servir du petit gun en premier. Comme les balles après, je vais plus m'en servir. Ça donne que 10. Ah c'est bien, ça donne de l'eau plus... Mais bon, ça donne que 10. Du coup, c'est pas bien. Quand tout sera rangé, on a une petite centaine de prêts de fer en ferraille. Bah, on attend notre mort. Je vais aller me faire un café avant de mourir. J'arrive.
Hop. Bon. Là-bas, toute l'armature qu'il y a dedans, je vais essayer de le retirer. Et de mettre un style de poutre. Voir s'il y a moyen de faire quelque chose de propre. Si je peux éviter de mettre des cubes, ce serait bien. Juste le haut là. Pour ça je le mets pas en brique pour l'instant. Avec les billets. Les billets, les dollars. Ah, tu les mets là. En carburant. Il sert à rien. La vraie monnaie du jeu, c'est ça quoi. Sûrement les recycler pour faire du papier ou... Non, non, t'inquiète, me dis pas à chaque coup merci, hein. C'est normal. C'est quand même stressant d'attendre comme ça. Je sais très bien qu'il va rien se passer, mais ça nous dit un doute. Là, tu fermes le planqué. Des pommes de terre, malheureusement je vais peut-être pas en faire autant. Ça me pompe l'eau. Les voilà les fous. À la hauteur comme ça, c'est encore plus fort, non? Il se le prend carrément dans la tête, quoi. Parce que
tant qu'ils sont pas là. Et par contre, il faudrait que je me fasse un mur. Il y a des crasheurs. Au cas où. Ouais, c'est un concept. Voilà. Et il monte, hein. Il était déjà mort. J'aime pas qu'on les voit pas parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'ils font, s'ils frappent là-bas ou... Et cours toi. Et des chiens. On se calme. Regardez eux. Je sais pas qu'est-ce qui me fait des petits frises comme ça là.
Il est que 23h. Troisième vague, je vais rester comme ça, la même config. Quatrième vague, je commence à mettre des pics en fer. Et j'aurai peut-être le courant. Si je peux mettre le courant avant les pics en fer, comme ça j'ai pas besoin de mettre des pics en fer quoi. Je gagne énormément quoi. Énormément de lingots. Jusqu'à la quatrième vague comme ça, avec des pics comme ça, puis en tirant tranquillement quoi. Ah ouais, demain on s'installe. Quoi qu'il viendrait m'aider lui. Les oiseaux. Pour ça justement la cage. Ou les piafs. Passer à gauche. C'est mieux. Ça. C'est quoi ça? Première fois que je le vois. Des chiens de l'enfer. À 4, je sais pas. Hein. Il y a des nouveaux mobs en. Hein.
T'inquiète pas que je vais les doubler après. Ils prennent tous à droite les fumiers. Les chiens de l'enfer. Tu dois toujours avoir des kits. Pour réparer ton arme parce que... Lance tête. Hop, juste que les balles de merde, ça c'est nickel. Faut bien plus grosse quand même, hein. Descends de là. Ah, c'est là qu'il faut mettre les pièges. Tout le long. Meurs toi. Ok. Au docteur en restait beaucoup là, je pense. Oh, on est d'accord qu'on fait pas de dégâts quand on tire dans les trucs. Hein. C'est moi qui ai pété tous les trucs là. C'est vénin ça.
la dernière vague. Calme. Alors, tout le truc à pas faire, c'est te dire ouais, c'est bon, on est tranquille. Du coup, tu fais quoi? Tu fais échappe et tu quittes. Et si tu relances la partie, tu te retapes toutes les vagues. Je l'ai déjà eu. Faut vraiment attendre 7-8 heures du mat, être sûr que t'as vraiment passé la nuit. Et franchement, tu pleures. Je pense pas que tu tapes la vague complète, mais tu tapes pas mal de zombies, quoi. Bon, je pense qu'on peut sortir. Et je vais attendre 8 heures avant de déco. Voilà. Merci. On va récupérer tous les sacs avant qu'ils disparaissent. On verra qu'est-ce qu'on a vu après. Prendre ça au cas où. Moi je mange ça comme ça, mais le mieux c'est de faire des plats. J'ai la flemme un peu pour l'instant, tant que j'ai pas le jardin comme j'ai dit tout à l'heure. Donne des pelles. Oh,
Bon, je suis à côté, on va les vite fait se vider. En tout cas, les vagues ils sont plus dures. Ils sont largement plus dures. La deuxième vague avant, franchement, c'était tranquille. Hein. Là, t'as vu les gros chiens de l'enfer, je sais pas quoi là. Je vais pas voir après. Devant il sert à rien, il passe sur les côtés les fumiers. Au moins s'ils arrivent d'en face, mais en face c'est chez moi, ils vont peut-être pas spawn. Ils spawn sur les côtés et derrière apparemment. Et derrière apparemment. Je devrais peut-être retirer le cube, de toute façon, y'a que moi. Hein. Ça les ferait spawn peut-être devant. T'as tout ? Pour les pics, on verra ça tout à l'heure. Bah, à la prochaine vague. Ils n'ont pas attaqué les piliers par rapport à la première vague. À la première vague, j'avais perdu ce pilier là. Ils n'ont pratiquement pas attaqué. Tuyau, c'est entre guillemets de la merde. Ça, j'ai pas besoin. Oh, niveau 5. On ira les vendre. Oh, je m'en fous. T'as faim. Je vais les garder. Je pense qu'avec les 100, je les mets sur les côtés là. De toute façon, ils passent que sur les côtés. Hein. Tant que j'ai pas les pièges tournants. Ça, je vais les vendre. Garde, ça je le vends. Je sais pas comment on split la pile. Alt. Bah tant pis, hop.
qu'une colle. Je peux stocker, ça on stocke. Ça je les garde. Je vais retirer ça parce que c'est de la merde. De la merde. On est bon. Après, je remplace tout ce en bois là où il passe en fer, je suis tranquille. Hein. La prochaine vague, c'est sûr. Je peux pas l'avoir sous le couteau? Ah. Merde, ça marche pas? Ah, je me suis trompé encore. J'ai mis où? Apprends ça. Putain, un peu nain. Ouais, t'es bien. On creuse jusqu'à 4 heures. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. Attends. Ah, c'est le... Attends, on s'en fout, tu me diras. Je vais finir mon mur, comme ça on va pouvoir déplacer tout.
J'aime bien avoir des grands trous ainsi. Il peut que ça s'écroule. Bon, ça va pas s'écrouler quand même. Hein. On n'a qu'une vie, hein. Combien là? 3, 4, 5. Bon, j'en mets que 3. Hein. C'est déjà pas mal, franchement. L'heure 4h, allez on y va, on verra ça au soir. On est bon là, 1, 2, 3. On va consolider là. Faire des pierres. Smells like dysentery. Fine, take a fucking look. Mais ça, c'est pour l'Harley. Je le veux, hein. Je le veux bien. Hop là. On va te lever le rose. Ouais, tais-toi, grand con. Vieux con plutôt. Ah, j'aurais préféré avoir Jenny, ça me dégoûte. C'est ça que je voulais faire. C'est quoi déjà? Comment on fait? Conduire, ouvrir. Ih, c'est le beau vélo!
C'est barre. Du coup, on va s'arrêter là.